Et les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux derniers achats et trouvailles que j'ai réalisés ces derniers jours avec des jeux qui sont issus de ma wishlist. Ça, c'était vraiment le top quand je suis tombé dessus par hasard en cash à des prix assez bas finalement. De bien belles choses à vous proposer. Et on commence tout de suite avec un jeu PS2 pour changer, avec le Urban Reign. Alors, c'est pas un jeu que j'ai déjà vu souvent, qui a été présenté souvent. Donc, c'est un beat'em all, souvent avec des arènes fermées, qui est composé de beaucoup de personnages, d'une trentaine de personnages à débloquer au fur et à mesure de votre avancement. Et la particularité de ce titre, qui est édité par Namco, c'est qu'on va retrouver beaucoup de persos de Tekken. Donc on va pouvoir jouer avec les persos de Tekken en beat'em all, un petit peu comme ce qu'on avait dans Tekken Force. Alors ce jeu est sorti un petit peu après Tekken 5, ce qui fait qu'on retrouve des persos au design Tekken 5 à l'intérieur du jeu. Et j'ai regardé quelques gameplays. Moi, je n'y avais jamais joué, je connaissais ce jeu de nom, mais je ne savais pas plus de quoi il était fait. Mais d'après ce que j'ai vu, ça m'a l'air vraiment très sympa et il paraît que la durée de vie est vraiment très 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 longue. Donc ce Urban Reign, voilà, qui est, avouez-le, pas visible partout. On ne trouvera pas ça chez les PC du coin, comme je dis toujours. C'est le seul jeu PS2 que j'ai à vous proposer. Oui, les jeux PS2, maintenant, ça va devenir très très dur pour moi de les trouver. Alors, je possédais le deuxième épisode sur la PS3, mais je n'avais pas le premier. C'était un jeu qui était d'abord sorti sur Xbox 360, si je ne me trompe pas, le Overlord. Et ça, c'est l'édition Rising L. On a du petit contenu supplémentaire rajouté par rapport à la version 3.6. Il y a un deuxième opus qui est sorti. Donc vous dirigez ce Lord-là qui a tous des gobelins à sa disposition. Et vous pourrez les envoyer faire des actions, comme bien sûr attaquer les ennemis, mais bien d'autres choses. Donc c'est un jeu d'action qui est saupoudré de réflexion à certains moments, avec beaucoup d'humour. Ça avait quand même bien fonctionné à l'époque. Bon, maintenant, après ces années, je ne sais pas si il y a toujours un bon ressenti qui peut subvenir sur ce jeu. Mais voilà, j'avais le deuxième, j'avais pas le premier. Et ça aussi, c'est pas le genre de jeu que je vois souvent. Alors celui-ci n'est pas très bon, mais je le voulais pour la collection. C'est le X-Blade, où vous dirigez une héroïne nommée, j'ai vu ça tantôt, Ayumi, voilà. C'est un genre de Devil May Cry, action, découverte, chasseuse de trésors. Ça aurait pu être très bien, je me souviens des premiers gameplays de ce jeu. Des promesses du jeu à l'époque, j'étais un petit peu motivé, emballé à le suivre. Et puis quand le jeu est sorti, il a été descendu de partout parce que l'éditeur n'avait pas tenu ses promesses. Et voilà ce qui arrive. Ce qui fait que ce jeu est tombé dans un oubli total. Je suis certain que pas mal d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ce jeu. Il y aura même une édition collector, mais il me semble, n'a pas dépassé les États-Unis. Donc voilà, ce X-Blade. Honnêtement, aussi, c'est la première fois que je le vois en cash. C'est pas le genre de jeu que vous allez retrouver partout. Je vois qu'il y a une petite cover réversible à l'intérieur. Je peux peut-être vous montrer ça pour le fun. Voilà, on a une petite cover qui montre la sexy attitude de l'héroïne. Voilà, donc comme je vous dis, à très bas prix. Je pense que c'est peut-être 3,90€ pour vous faire une idée. Je l'emballais avec quoi. Voilà. Sinon, ne mettez pas plus pour ce jeu, bien évidemment. Pas un jeu qui est vraiment exceptionnel. Alors ensuite, dans ma collection Mouzou, sur PS3, il y en a deux que je recherchais pour compléter la saga sur PS3. C'est Dynasty Warrior 7. Je n'avais pas le 7e opus, je l'avais sur la 3.6. Et je trouve que cette cover est vraiment bien choisie pour cet épisode. Donc comme d'habitude, les 4 dynasties, la guerre des 3 royaumes, vous connaissez la musique. Maintenant on est déjà au 8 et il y a le 9 qui s'annonce. Et on parle d'un Mouzou à monde ouvert, ce qui serait finalement peut-être une première.
Donc c'est très ambitieux à voir ce que ça va donner. Et vous savez qu'il y a toujours un petit opus complémentaire sur un épisode canonique, c'est le Extrême Légende qui vient compléter le roster de l'épisode de base, plus des missions supplémentaires, etc. Un nouveau pendant scénaristique. Donc voilà, c'est toujours un ajout en bonus. Donc ces deux dynasties, qui finalement, si vous regardez un petit peu le prix de ces jeux, n'est pas si bas que ça. Et pas finalement si simple que ça à trouver, parce que moi ça faisait quand même un petit temps que je les cherchais sur PS3. Alors beaucoup mieux et beaucoup plus dur à choper, c'est le Hyperdimension Neptunia. Pareil, je l'ai vu dans un cache, j'étais étonné. Alors il y en a trois, je recherchais les trois, je n'en ai qu'un seul. C'est pour terminer ma collection NES évidemment, et il m'en manque plus que 3 ou 4 maintenant et j'ai tout sur PS3. Donc c'est des RPG tour par tour, vraiment ultra coloré. Je ne connais pas du tout la saga parce que je n'ai jamais joué à cette saga. Mais bon, comme je vous dis, il y a eu 3 opus sur la PS3. Je pense qu'il y en a eu sur la Vita, mais je ne suis pas certain. Pour moi, un jeu, j'aimerais bien découvrir quand l'occasion sera venue. Mais j'aimerais bien avant me choper les autres opus. Alors il existe une édition trilogie. Mais bon, tant qu'à faire, si je peux avoir les opus séparément, maintenant que j'en ai un, c'est pas plus mal. C'est pas des jeux qui valent très très cher, mais qui risquent dans 2-3 ans de monter à des 30-40 euros facilement. Autre jeu que je recherchais beaucoup, toujours un RPG de chez Nice, c'est le Last Rebellion. Alors celui-ci, il est vraiment particulier parce que j'ai vu dans la critique qu'il y a pas mal de sites qui l'ont un petit peu taillé. Moi, le character design me plaît beaucoup. Celui-ci est un petit peu plus orienté à action que le précédent que je vous ai montré. Mais ça reste du Nice America. Voilà, vous savez que moi, j'adore cet éditeur. Voilà. Donc, encore un bon jeu barré de la wishlist PS3. Collection PS3 qui, finalement, commence tout doucement, mais certainement à se terminer pour ma part. Je crois qu'il doit manquer plus qu'une quinzaine de titres que je recherche vraiment. Les autres jeux, c'est du bonus. J'ai pas mal de jeux en multiplateforme sur Xbox 360 et inversement sur PS3 que je vais pas reprendre deux fois non plus. Faut pas exagérer. Ensuite, dans les consoles actuelles, dans les current gen, je vous avais posté sur Facebook pour les plus attentifs d'entre vous la petite promotion spéciale fête des pères sur Amazon. D'ailleurs, si vous regardez, je pense encore maintenant sur Amazon, cette semaine-ci, la promo devrait être encore d'actualité. Il y a 3 bons jeux disponibles en promotion à 29 euros pièce, ce qui leur fait presque du 50%. Et c'est très intéressant parce que ce sont des bons titres. Alors, il y a le Kingdom Hearts 1.5, 2.5, ressorti de nouveau sur la PS4. Alors vous allez me dire, Ryu, tu es fou. Oui, parce que le 1 et le 2, évidemment, je les ai sur PS2. J'ai le 1.5, 2.5 en limité édition séparément sur la PS3. Et les revoilà sur la PS4. Vous allez me dire, Ryu, tu es un malade. Mais c'est pour ça que je voulais pas le prendre à tarif plein. Donc 30 euros et il y a quand même, si mes souvenirs sont bons, 4 jeux là-dedans. Il y a le Chain of Memories, il y a le Kingdom Hearts 2, le Birth by Sleep, et il y a le Final Mix, le premier. Donc oui, il y en a quand même 4 plus des courts-métrages, j'appelle ça moi, des graphic novels, mais des cinématiques qui vous en donnent plus sur le scénario finalement assez complexe de Kingdom Hearts. Donc voilà, je ne veux pas vous présenter le jeu. Vous connaissez la saga RPG de Square qui fait un crossover entre ces personnages de Final Fantasy et les personnages de Disney. Ça peut paraître de prime abord au début un petit peu déconcertant si vous êtes fan de la série FF, parce que le gameplay ici est totalement orienté action. Il n'y a pas de zone de combat, c'est pas du tout partout. Il y a certains
passages au début qui sont un petit peu guillerets, j'ai envie de dire. Il faut quand même être fan un petit peu de l'univers Disney. Mais ça s'assombrit au fur et à mesure de votre avancée. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est une très bonne saga. On attend toujours évidemment le Kingdom Hearts 3, mais qui risque peut-être d'être annoncé au TGS, peut-être. Une date au TGS. Et alors il y avait la plus intéressante encore, la compile 2.8 qui elle reprend tous les jeux Kingdom Hearts sortis sur portable, sur DS, tout ça. Donc les jeux sont finalement très peu lissés. Hein. Ça fait un peu peur lorsqu'on y joue, donc il faut bien se mettre en tête, ce sont des jeux portables. Hein. Mais cette édition limitée vous donne simplement un petit bonus avec une petite broche là ou un pins, je ne sais pas comment vous pourriez appeler ça. Voilà. Et sur PS3, on avait ce format un petit peu big box sur les éditions limitées. Je vous ai présenté ça dans ma vidéo de collection. Donc voilà, là la boucle est bouclée. Hein. Je pense que j'ai tous les Kingdom Hearts possibles et imaginables. Et ici, ben voilà, encore une autre compilation de moins bonne qualité que celle que je vous ai montrée précédemment. Mais si vous voulez être complet, c'est nécessaire de la posséder aussi. Voilà. Donc, 30 euros. Ce jeu, quand même, sorti il y a quelques mois à 65 euros. Donc là, oui, à 65 euros, jamais je l'aurais acheté. Mais à 29, 29, oui. Ce qui vous fait, pour 58 euros, ben, la totalité de la saga Kingdom Hearts en HD. Je pense que ça se prend, comme on dit. Et encore mieux, j'ai trouvé, j'étais étonné de le voir à ce prix quand même pour cette promo spéciale fête des pères en France. Le Dragon Quest Heroes 2 à 29 euros aussi. Et c'est l'édition un petit peu limitée. C'est l'édition explorateur qui vous donne accès à des armes un petit peu bonus directement au début de votre partie. Je me souviens de l'édition collector du premier, il y avait un petit peu ça aussi. Donc il y a un petit code DLC supplémentaire, il n'y a que ça de plus, un petit DLC. C'est expliqué derrière, vous avez des petites armes ici supplémentaires. Alors Dragon Quest Heroes 2, j'ai l'impression qu'il fait ben, un petit peu ce que le 1 faisait, mais en un petit peu mieux, hein, plus complet, plus de persos. Il y a de la coop maintenant. Graphiquement, ça me semble plus ou moins pareil. Donc voilà, Dragon Quest en Mouzou, ceux qui ne connaissent pas. Et ça fonctionne très bien parce que ça enlève la touche monotonie que l'on peut retrouver dans les Mouzou. Parce qu'il y a une grosse orientation RPG évidemment qui vient de Dragon Quest. Avec beaucoup de crafting, etc. Beaucoup de leveling dans les persos. C'est assez complet. Donc j'avais attaqué le premier sans l'avoir vraiment retourné. Voilà, comme pour le reste, hein, il faut s'investir, mais voilà, une saga qu'il faut peut-être pas laisser passer. Le genre de jeu qui, je suis certain, dans 10 ans, va valoir une petite blinde. Alors, pour les quelques petits achats qui me restent, ce sera de la Xbox One. Et je suis obligé de faire... un gros clin d'œil à mon ami Nico, parce que Nico, ça fait quelques mois, je pense, qu'il vit, qu'il mange, qu'il dort Elder Scrolls. Je pense que c'est les deux mots qui lui viennent dans sa tête le plus souvent possible pour le moment, parce que je sais qu'il passe beaucoup de temps sur cette saga, qui est beaucoup appréciée par beaucoup de monde. Alors, c'est du RPG, évidemment, occidental. On y retrouve un petit peu... une orientation fort chevaleresque, fort donjon dragon, que l'on trouve un peu moins dans les RPG japonais. Alors celui-ci, il est très connu, c'est le dernier Elder Scrolls, c'est le Skyrim. Skyrim, tenez-vous bien, un petit peu honte à moi quand même de le dire, c'est un jeu que je n'ai jamais fait. Je le possède sur PS3, sur 3.6, j'ai même le collector, mais je n'ai jamais joué à Skyrim. Parce que sur la génération de consoles précédente, le jeu était beaucoup trop laid. Je le trouvais très laid. Mais alors surtout, énormément buggé. Buggé à crever. Je me souviens quand même les dragons qui volaient à l'envers, ce genre de choses. Et je m'étais dit, bah, écoute, ce jeu, je vais faire un petit peu l'impasse et je n'avais jamais joué. Puis quel fut mon bonheur à l'époque lorsque j'ai appris que ce jeu aurait un portage HD. Parce qu'il y a des bons portages HD. Celui-ci en fait certainement partie parce que ça permet de se rapprocher un petit peu de la version PC. Je m'aime beaucoup, ça ressemble très fort graphiquement à la version PC. Et en plus, sur Xbox One, je ne sais pas sur PS4, mais sur Xbox One, je suis certain,
Vous pouvez activer les modes des joueurs pour embellir votre jeu ou pour avoir un nouvel aspect pour votre personnage, etc. Mais attention, les modes bloquent vos succès. Donc pour ceux qui sont chasseurs de succès, faites attention à ça. Voilà, Skyrim, une épopée légendaire à vivre, je pense. Donc j'ai commencé. J'ai fait le tout début du jeu. J'ai joué, je sais pas moi, 2-3 heures. J'ai visité un petit peu les classes, etc. J'ai créé mon personnage, j'ai commencé un petit peu le scénario, découvert quelques petits donjons. En effet, ça a l'air très prometteur. Ça me fait quand même penser beaucoup dans ces mécaniques à The Witcher. Bien que ça n'y ressemble pas, mais ça me fait penser un petit peu dans ces mécaniques-là. Ça me rappelle un petit peu les aventures de Geralt. Donc beaucoup de dialogues, beaucoup de quêtes annexes, énormément de choses à faire quand vous arrivez dans un village. On a l'impression qu'on a tellement de quêtes en même temps qu'on peut passer des heures. Un inventaire qui se remplit assez vite au début. À voir s'il va s'améliorer, je pense certainement que oui. Une arborescence de sorts et d'aptitudes assez élevée. Donc voilà ce qui fait que ce Skyrim est finalement un grand jeu. Voilà. Beaucoup de gens pensaient voir le sixième opus de la saga Elder Scrolls. Et s'il y a le 3, ce ne fut pas le cas, c'est normal, c'est des jeux très ambitieux. Je pense qu'ils sortent déjà de leurs derniers travaux sur The Elder Scrolls Online, donc peut-être pour plus tard. Donc voilà, un jeu que je désirais, la Special Edition, qui comprend des DLC évidemment. Les DLC sont tout est à l'intérieur. Hein. Et vous avez même des petits contenus supplémentaires pour Elder Scrolls Online. Donc si vous voulez être complet, voilà pourquoi j'ai fait un clin d'œil à Nico, parce qu'il passe beaucoup de temps sur ce jeu, c'est le Elder Scrolls Online. Moi je voulais sur la One, parce que bon, c'est des jeux tirés univers PC, et j'aime mieux quand même y rester sur Microsoft pour ces jeux-là. Et il y avait la Gold Edition, donc ce jeu je n'y avais jamais joué non plus, mais la Gold Edition, voilà, je m'étais dit, avec les DLC inclus, c'était le moment. Surtout que regardez son prix sur Amazon ou ailleurs, bien évidemment, ça coûte presque rien. 30 euros max, vous l'avez ça. Pour des plusieurs centaines d'heures de jeu, certainement. Donc voilà. Alors que vous allez me dire, Ryu, pourquoi tu es décidé maintenant à acheter ces jeux? Parce que dernièrement est sorti. Ben. Ça, je vous montrerai en dernier parce que c'est une pièce que je suis assez content d'avoir trouvée. Est sorti le collector évidemment de. Je fais des efforts pour le prendre parce qu'il est quand même assez lourd. Voilà. De Morrowind, qui est l'extension de Elder Scrolls Online, qui rajoute une région complète, etc. Une édition collector que je n'imaginais pas si grande, honnêtement. Je la voyais deux fois plus petite. Quelle a été ma surprise lorsque j'ai découvert la taille de la caisse. Honnêtement, je pensais pas que c'était si gros. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vous ferai un unboxing, hein, certainement, plus tard. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la carte de Morrowind, donc de la nouvelle zone. Voilà. On a la carte. On a le journal de Nariu. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. La statuette du colosse d'Oemer, c'est une grosse figurine, là, une grosse statuette. C'est ce qui explique la taille du collector. Et on a un steelbook présent aussi. Donc voilà, une superbe édition. Je suis assez content de posséder. J'étais étonné de voir à quelle vitesse ben, ça fout tel camp quand même. C'est vite parti ces trucs-là. On a même du contenu dématérialisé exclusif. J'en reviendrai en détail lorsque je ferai l'unboxing. Me voilà complet dans cet univers. Et alors, je vous ai parlé de Skyrim tout à l'heure. Et j'avais vu que pour Skyrim, il y avait un bouquin, un guide collector. Voilà, regardez-moi la taille de ce guide absolument colossal, ouais, de Skyrim. La texture est très agréable. Regardez-moi ça, que c'est beau. À l'arrière, rien de spécial. Un superbe ouvrage. À l'intérieur, vu que c'est une édition collector, une spéciale édition, vous avez des petits bonus
Vous avez un petit signet, un petit marque-page pour faire style. Vous avez la carte complète du jeu. Et surtout, vous avez une qualité de papier très agréable avec des illustrations, etc. Beaucoup d'illustrations. C'est vraiment complet de chez complet. Donc vous voyez que le jeu est quand même colossal lorsque l'on voit le guide. Alors, seul petit bémol pour les anglophobes. Ce guide n'existe, à ma connaissance, uniquement qu'en anglais. Donc, si vous ne connaissez pas l'anglais, je vous vois mal parcourir les plus... Je pense qu'il y a 1150 pages sur ce guide. Donc, c'est uniquement de l'anglais, voilà. Donc, si vous voulez l'acheter, faites attention. N'allez pas l'acheter qu'après avoir une mauvaise surprise. Alors, c'est très complet, hein. Vous avez toutes les maps, etc. Vous avez vraiment de tout. Un ouvrage que je suis vraiment content de posséder. Ma femme m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas lire ça? Je ne dis pas que je vais tout lire, mais le déballer. J'aime bien, quand je joue à des gros RPG, avoir le guide à côté pour dire de rien rater et d'essayer de faire, d'optimiser la partie en un run, quoi. Donc, vu que c'est des jeux qui prennent beaucoup de temps, j'aime mieux optimiser mes parties. Donc voilà un petit peu pour toutes ces trouvailles. Bon, il n'y a pas énormément de quantité, mais je pense qu'il y a énormément de qualité. Et ça, c'est vraiment très bien. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, faites chauffer les consoles. A plus, à plus.